Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau trading live. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 février 2022. J'espère que vous m'entendez bien et que l'image donc est correcte. Merci de me confirmer donc sur le chat. De la chaîne YouTube. Euh, donc, nouveau trading live euh, en accompagné au lendemain euh, des annonces de la Banque Centrale Européenne par Christine Lagarde. Je vous propose une nouvelle session. Alors, une fois n'est pas coutume, hein, ça fera deux sessions pour cette semaine. Après la très belle séance que nous avons connue hier, euh, ben, je me permettrai de revenir un petit peu sur la manière dont ce sont. Euh, de son, dont se sont clôturées les positions. Euh, ça a été une très belle séance hein, pour ceux qui ont vu l'article passé. Euh, on est à plus de 7% de performance sur le capital par rapport à toutes les positions qui ont été ouvertes durant cette session de trading. Et c'est euh, bon, c'est quelque chose qui est assez rare. Hein. 7% en, en quelques heures, c'est une, une performance qui est totalement inhabituelle. Pensez bien que si on arrivait à faire ça euh, toutes les semaines. Euh, les choses seraient totalement différentes, donc il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui est automatique et qui est fréquent, euh, mais voilà, euh, quand les choses se passent bien, il faut le souligner, ne serait-ce que pour avoir la rétrospective euh, de, de, de l'enchaînement en fait, des événements, pour voir comment ça s'est passé, ce qui nous donne en fait un exemple euh, d'un de, de, modèle qui fonctionne, hein. c'est un, un peu comme ça qu'il faut le voir, euh, c'est pas l'autosatisfaction en disant euh, voilà, regardez euh, comment, euh, comment on peut être euh, le meilleur ou je ne sais quoi. Non, c'est vraiment tirer parti justement des bonnes séances pour voir un petit peu quel est le mécanisme qui a amené à cette performance. Hein. Je dirais que c'est ça le plus important. Voilà, donc euh, encore une fois, hein, très heureux de vous. Euh, euh Excusez-moi, <laughs> j'ai bugué. Euh, donc toujours toujours heureux de, 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 de vous présenter un trading live. Donc n'hésitez pas à euh, vous manifester donc, sur le chat de la chaîne. On va commencer dans quelques, dans quelques minutes. Hein, le temps que je vous passe voilà, en vue trading. Hop, voilà, c'est parti. Euh, donc avec un programme aujourd'hui euh, qui est un peu moins dense que celui que nous avons eu euh, hier mais euh, qui mérite le détour quand même. On a donc les créations d'emplois dans le secteur non agricole qui sont prévues à 14h30, hein, donc les fameux chiffres du NFP, Non-Farm Payroll, euh, qui définit donc les chiffres du chômage euh, le premier vendredi de, de chaque mois. Nous aurons donc euh, conjointement à ce chiffre eh bien, le taux de chômage. Alors on attend un taux de chômage en ligne par rapport à celui du mois dernier à 3,9% en termes de création d'emplois. On attend 150 000 créations d'emplois, mais le risque... Non pardon, oui, 150 000 créations d'emplois. Le risque étant d'avoir un petit peu comme sur l'ADP euh, qui est paru mercredi. Une, une déception par rapport justement à ce chiffre puisque au niveau de la on attendait aussi des créations d'emplois sauf que on a eu euh, des destructions et euh, bah, ça a un petit peu, euh, ça a un petit peu inquiété les marchés euh, surtout qu'on avait des résultats qui étaient, euh, qui étaient mauvais hein. on a eu Paypal et euh, et Facebook qui ont délivré des résultats bien en dessous de, de ce qui était attendu. Donc tout cela a provoqué une, une première impulsion. Et puis les, les propos de Christine Lagarde hier, et eh bien euh, surtout au niveau des marchés européens, on, on matérialisait voilà le risque qui était porté par l'inflation que l'on voyait monter. On savait que Christine Lagarde se devait de, de réagir. Euh, tout s'est joué vraiment sur la, sur la sémantique dans un premier temps. Et puis ensuite, euh, eh bien le, le, les choses ont été posées clairement, à tel point que euh, désormais le consensus table sur deux hausses des taux d'ici à la fin de l'année 2022 du côté de la Banque Centrale Européenne. Donc on est passé d'une conférence de presse euh, l'année dernière, la dernière conférence de presse, donc en décembre, où il n'y avait pas de hausse prévue. En 2022 et on est passé à un consensus à deux hausses donc pour 2022 donc cela a des répercussions sur l'euro hein, qui a connu une forte hausse sur les taux d'intérêt aussi depuis les propos de Christine Lagarde on observe une hausse des taux obligataires en Europe alors notamment en France hein, où on a des taux qui sont maintenant nettement supérieurs en Allemagne on a un petit peu limité la casse mais du côté de l'Europe c'est assez, assez sensible. Donc cela bah, crée euh, forcément une, une baisse hein, sur les marchés européens. On est, on est repassé sous la barre des 7000 points euh, aujourd'hui. Et nous allons voir comment dans ce contexte, eh bien, ce chiffre du NFP, alors je ne vous le cache pas, il y a déjà eu trading live hier, ce chiffre peut passer totalement inaperçu, même avec un fort écart avec le consensus. Si tel était le cas et si les marchés étaient vraiment atones, après la diffusion de ce, de ce chiffre donc du chômage je pense qu'on écourterait le qu'on écourterait le, le, le trading live car je pense que même au niveau de l'ouverture euh, du marché américain il ne va pas se, se passer grand chose euh, donc voilà on, on en resterait là et ce serait donc une session de trading live, de trading live pardon euh, écourtée donc euh, bah, je vous propose d'observer un petit peu ce qui s'est passé. Alors déjà, premier tour de marché, on le voit ici au niveau du, du DAX. On a eu euh, donc suite à la, à la, au message de Christine Lagarde, hein, voilà, on a ici hein, 14h30, donc début de, la <coughs> début de la conférence de presse. Euh, on voit ici qu'on était sur une note, sur une évolution relativement stable, dans un léger biais baissier. Et puis tout s'est accéléré. On a clôturé ici assez bas hein, sur le sur le Dax. Donc euh, à 22 h donc là on parle des on parle des futurs. Et puis ensuite on a on a connu un, un rebond. Le rebond ici, euh, il a marqué un point haut juste avant l'ouverture du cash. Et depuis on est reparti à la baisse. On a cassé les points bas d'hier et on s'approche ici dangereusement de la zone des 15 000 points sur l'indice allemand. Sur l'indice parisien, bah on a quasiment la même chose. Ici, une note stable dans la journée, mais légèrement baissière ici sur, le, sur, un, sur un horizon un peu plus court terme. Et puis 14h30, accélération, rebond technique, reaccélération, clôture des futurs au plus bas, rebond technique à l'ouverture des futurs à 8h, temporisation sur la première heure et rechute ensuite. On repasse sous la zone des, 6, des 7000 points pardon, et on vient tester ici une zone intermédiaire. Alors est-ce que c'était une zone que j'avais donnée sur l'analyse de ce matin Non, a priori non, je vous avais dit qu'il fallait surveiller la zone des, des 7015 points. Euh, la zone des 6999 points, puisqu'il s'agit du retracement à 38,2% de Fibonacci. Là, en fait, on a cassé ce retracement à 38,2% et on est venu directement se retourner dans la zone 50-61-8. Donc, désormais, le prochain niveau à surveiller sur le CAC 40 c'est la zone des 6895 points. Je parle bien entendu du, cash, euh, du CAC 40 cash, hein pas, le, pas le futur que nous avons là. Enfin, là, c'est du CFD futur. Euh, au niveau des indices américains, on a un petit peu limité la casse pour la simple et bonne raison que euh, Amazon a diffusé de très bons résultats euh, ce matin. Euh, donc Jeff Bezos va pouvoir se, se pavaner sur son yacht fait à, à Rotterdam qui, qui, qui a enflammé les, les réseaux sociaux euh, hier. Malgré tout, on a un nouveau plus bas significatif ici de tendance court terme hein, sur le SP 500. Rebond technique actuellement, mais on voit qu'on est sur le niveau de plus bas déjà euh, d'hier. Donc on, on a une baisse moins marquée hein, sur les indices américains que sur les indices européens. Le Nasdaq, il, on est même pire que ça, hein, puisque le Nasdaq, justement, eh bien euh, on n'a même pas cassé le point bas d'hier. Donc là c'est très très net. On a euh, des, des États-Unis qui surperforment l'Europe. Le, Alors. C'est pas habituel, hein. c'est pas habituellement ce qui se passait ces derniers mois, mais lorsqu'on regarde la perte de devise euro-dollar, on comprend très bien pourquoi. Parce que tout simplement, une hausse de l'euro eh a tendance à brider euh, les marchés, alors qu'une baisse de la monnaie a tendance à, à, à favoriser les marchés. Donc à partir du moment où on a un euro-dollar qui monte, on a un euro qui monte et un dollar relativement qui baisse, ce qui veut dire que mécaniquement, et ne serait-ce que par la monnaie, eh bien, on a euh, un marché américain qui sera plus apte à surperformer le marché européen. Qui plus est, avec les bons résultats d'Amazon, ça a été encore un signal amplificateur qui a été dans ce sens. Hein. Donc, on a eu un, un très gros mouvement sur, sur la paire de devises. Avec le signal de trading hein, sur lequel je vais revenir et bon ben, en fait tout s'explique hein. c'est euh, on a tout en fait qui va dans le même sens avoir des taux donc qui vont vers le resserrement donc qui risquent de brider l'économie européenne. On a la paire de devises qui monte. On a des bons résultats du côté des états unis Donc là, en fait, depuis hier, tout va dans le sens d'une hausse de la paire de devises Euro dollar. Euh, on est passé de 1.1270 grossièrement à cette zone ici des 1.14,70. Donc on a deux figures hein, sur, cette, sur cette hausse en moins d'une journée, ce qui est assez notable. Hein. Du point de vue de la livre sterling, on a eu donc ce fameux, cette fameuse porte de saloon hein, que je vous ai... Euh, que je vous avais commenté hier, et puis depuis en fait c'est relativement stable. On a eu donc une hausse des taux de, de 25 points de base, puisqu'on est désormais à 0,50 hein, sur du côté de la Banque Centrale d'Angleterre. On voit que c'était une décision qui était attendue, puisqu'on a eu initialement une impulsion qui a totalement été retracée. Ensuite, on a eu un petit mouvement, mais sans, sans grand intérêt. Vous voyez qu'on est au niveau actuellement où l'on était avant l'annonce de la hausse des taux au niveau de la livre sterling. Ensuite côté bon de l'arienne on n'a pas eu grand chose euro -yen, on a eu un très beau signal qui était lié à l'impulsion ici de euh, la banque centrale européenne. Hein. Donc là on a eu un très beau signal et on voit que le take profit hein, qui, a été, euh, qui a été marqué est intervenu au moment où on a changé de dynamique. Hein. C'est à dire on a eu la première dynamique ici d'impulsion et ensuite on est passé en dynamique de suivi. Et en fait, on a vraiment pris le tech profit sur la fin de la dynamique d'impulsion. Bon, on aurait pu gagner un peu plus, mais avec beaucoup moins de, de probabilités. Donc là, l'algorithme, le, 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 en tout cas pour ce mouvement, était parfaitement paramétré. Euh, l'euro GBP donc, est monté aussi. On a eu un signal assez intéressant sur l'euro GBP. Euh, USD. on a. Alors, USD. oui, on a eu un petit quelque chose sur la UDUSD. Je vais revenir dessus. Est-ce que je peux vous l'indiquer euh, AUDUSD, AUDUSD. Vais... Voilà. AUDUSD, pourquoi il ne sait qu'il Ah voilà, il est là. Euh, donc bon, bon petit, petit signal, mais sans grand intérêt. On a eu ici l'impulsion, la consolidation. On est venu ici sortir sur un, un petit point haut en limite de, de time close. Hein, C'est-à-dire que c'est la, la fonctionnalité que je vous avais expliquée hier ou euh, si au bout d'un moment on a euh, des cours qui sont positifs mais avec un stop qui représente une perte possible, eh bien on vient clôturer cette position. Donc là on a fait un très léger gain, vous voyez pas grand-chose hein, par rapport au reste, mais euh, ça, ça a le mérite au moins de, de ne pas gréver la, la performance. Euh, sinon au niveau des autres paires de devises USDCAD, USDCAD monte fortement mais ce qui est lié notamment à à la variation du WTI, je vais y revenir, on a le, le crude ici bah, qui a cassé la zone des 90$ le baril, c'était une zone d'objectif, et ben bah, on peut se rendre compte ici que, que la hausse continue. Euh, sinon sur l'or, il s'est pas passé grand chose, il semblerait que l'on reparte à la hausse aujourd'hui, mais hier on a eu ici une phase de baisse, une phase de, de hausse, et ensuite on est reparti sur les mêmes bases. Sinon, bah sinon, il me semble que euh, voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer. Donc on est ici sur une, sur une configuration globale bon, qui, euh, qui évolue donc dans le sillage de ce qui s'est passé euh, hier. Et on va voir si le NFP justement eh bien, permet de, de, changer ce, euh, de changer ce paradigme. Voilà, on avait fait aussi un arbitrage long-short sur les indices américains. Actuellement, ces arbitrages sont un peu moins rentables. Euh, on a fait une belle, une belle opération en début de semaine, je ne me rappelle plus quel jour c'était, c'était peut-être lundi ou mercredi. Euh, mais sinon, c'est assez aléatoire en ce moment. Euh, bah là on a fait une très grosse performance hein, sur, euh, sur la séance d'hier, donc pour ceux qui ont vu l'article hein, que j'ai sorti, donc on a fait la 224 euros sur le, break le breakout euro-yen, vous voyez que le TP ici veut dire qu'on est venu toucher le tech profit qui était à 131,296 on a même eu un petit slippage positif hein, puisqu'on a été exécuté à 131,297 bon, on a gagné un dixième de pipe, hein, c'est pas grand chose euh, donc Très grosse perf hein, sur ce, sur ce, comment dire, sur cette position. Vous voyez que rien que là, euh, par rapport au, comment dire, par rapport au, au capital que l'on a sur ce compte, on est presque sur du 4% sur un trade, ce qui est déjà énorme. Donc le breakout a eu des USD. On a eu un deuxième déclenchement euro-yen C'est-à-dire que suite à la fermeture de l'euro-yen. Alors je vais vous le remettre. Je vais essayer de vous le remettre. Ben je vais peut-être même vous mettre le posi la position. Voilà. En fait, euh, ce qui s'est passé, voilà, sur Yen, c'est que on a eu donc ce premier signal, donc signal qui s'est clôturé. Euh, quelle heure il était Quelle heure il était 17h20. Et vous voyez qu'on a une deuxième position qui s'est ouverte ici à 17h32. Alors pourquoi Tout simplement parce que euh, on a eu ici donc cette, cette clôture qui était liée au, au take profit. On a continué à monter et sur une petite phase de, de consolidation, l'algo a considéré qu'il y avait encore du potentiel. Alors par contre, le potentiel était moindre. C'est pour ça qu'on avait 0,20 ici micro sur le, 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 la première position. On n'en avait que 0,12 sur la deuxième. Aussi, on avait constaté une hausse de la volatilité. Donc, ça c'est quelque chose que je dis souvent en monnaie management. Quand la volatilité monte, on éloigne son stop. Et on réduit son exposition. Ben là c'est exactement ce qui s'est passé. Et euh, donc par rapport ici à cette position, euh, pareil, hein, là, cette fonction ici qui permet de détecter euh, une position qui ne, qui ne prend plus de dynamique. Au bout de je crois que c'est au bout de deux heures, hein, 17h32, 19h51, voilà un peu plus de deux heures. Eh bien, on a considéré qu'on avait une position qui était positive avec un stop dans le négatif, donc l'algo a fermé la position. Vous voyez que ce qui s'est passé par la suite, on n'avait pas énormément de potentiel, donc quelque part, là, moi, au niveau du fonctionnement de l'algo, je suis totalement satisfait, parce qu'on a vraiment capté ici l'impulsion initiale, c'est ce que l'on cherche avec ce, ce réglage là. Hein. Je vous rappelle que l'euro yen a déclenché très tôt avec énormément de, de sensibilité. Et on est vraiment venu chercher le tech profit. Et vous voyez que juste après, le tech profit était bien calibré. Il est lié à la volatilité lui aussi, hein, le, le tech profit. Et on est vraiment on est vraiment sorti ici sur la dernière accélération de l'impulsion initiale avant ici la dynamique de suivi. Donc là c'est relativement intéressant parce que c'est tout à fait ce que l'on recherche. Avec le réglage que l'on utilise sur cet algo. Ensuite, on a eu l'euro dollar, où là, on a une, une approche un peu plus hybride, c'est-à-dire qu'on va détecter un peu plus tard, mais on va essayer de capter un peu plus de mouvement. On est sorti un peu plus tard d'ailleurs. On est sorti à. Donc sur l'euro dollar. Non, il n'est pas là l'euro dollar. L'euro dollar, voilà, on est sorti à 20h43, donc un peu plus tard. Et euh, celui qui est sorti le dernier, il me semble que c'est l'euro GBP, où là, on a un réglage vraiment tardif. Et on a essayé vraiment de prendre toute la dynamique, vraiment même à détecter la fin de la tendance. Et vous voyez qu'ici, par rapport à l'impulsion, on est sorti très tard. On a essayé de capter un peu plus de mouvement. On est sorti ici sur ce stop. Il s'en est fallu de peu pour que l'on puisse prendre ici ce mouvement de, de suivi derrière. Normalement, cet algo-là, le ROGBP, il est un peu plus fait pour ça, pour essayer de capter. Là, on voit qu'on était encore un peu trop sensible. Malgré tout, la dynamique et, et la, le, le, comment dire, la performance est très bonne, hein, puisque là aussi on a une, une très belle plus-value. Donc l'ensemble hein, de ces positions, comme je l'ai indiqué, euh, même si on rajoute le, le long short hein, qui a provoqué donc... Euh, une, une petite perte hein, puisqu'on avait ici environ 26 euros de, de perte sur ce, sur ce long shot sur ce test hein, que je vous avais expliqué et eh bien on est je crois de mémoire à 7,5% 7 ,5%, ce qui est totalement inhabituel hein, en termes de performance sur une journée en quelques heures c'est vraiment, vraiment assez rare que l'on puisse arriver à ça mais bon quand ça arrive et eh bien il faut il faut s'en satisfaire en tout cas voilà donc un petit peu le récapitulatif donc Bon, on n'attend pas grand-chose honnêtement hein, de ce NFP. Ceci dit, on a souvent eu, des, on a souvent eu des, des, des surprises. Donc on va observer ce NFP, on va essayer de voir un petit peu les impacts sur l'évolution. On est toujours sur une, une attente hein, de hausse de taux euh, du côté de la Fed. On sait que du côté de la Fed, on avait à un moment des, des consensus qui allaient jusqu'à parier euh, jusqu'à 5 hausses de taux pour, euh, sur l'année. A priori, il y a eu des démentis. On serait plus désormais entre 3, voire 4 en fonction de l'évolution de l'inflation. Euh, donc, euh, hausse de taux dans l'année. Donc, bon, on va voir un petit peu ce que ça donne. On attend une première hausse de taux en mars. Donc là, on va voir un petit peu si les chiffres du chômage... C'est vrai que si les chiffres du chômage, euh, puisqu'on dit que le, les ADP ont été fortement impactés par Omicron, si les chiffres du chômage sont mauvais certains investisseurs pourraient se dire que ça pourrait repousser un petit peu la, la, la hausse des taux. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe, comment c'est interprété et les impacts sur le marché. Est-ce qu'il y, est qu y a des questions concernant un petit peu tout ça, les positions qui ont été passées hier, etc. etc. Bonjour tout le monde. Alors Lionel, dit, bonjour, tout est ok. Deux jours à suivre. Les résultats ont dû être bons. Oui, les résultats ont été très bons. Alors encore une fois, hein, je le répète, pour ceux qui, 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 ont, euh, qui ont découvert ce trading live euh, très récemment, euh, là on parle de, de vrai trading. Hein, C'est-à-dire que là, le compte que je vous présente, c'est un compte en argent réel euh, que j'ai stabilisé autour de, autour de 6000 euros pour, pour voir un petit peu ce que l'on peut faire avec ce avec ce type de capital donc là en fait euh, je pense que je vais transférer en fait un petit peu euh, d'argent euh, sur euh, sur d'autres comptes pour rester au même niveau donc pour ces trading live hein. ce compte est dédié au trading live euh, bon il y ya toujours les algos qui tournent dessus hein, toute la toute la semaine mais, euh, mais voilà euh, le, le résultat et le suivi je le fais vraiment sur ce compte et là je pense qu'on va transférer euh, 300 ou 400 euros sur, euh, sur d'autres comptes pour vraiment rester toujours avec ce, avec ce capital euh, quasi identique. Donc euh, ne, ne pas croire que c'est toujours comme ça, hein, comme je le dis souvent dans la présentation de mes trading live, euh, je peux gagner de l'argent ou perdre de l'argent lors de ces trading live, c'est vraiment la vie du trader que j'essaye de vous montrer, c'est-à-dire que euh, le trading c'est des gains, des pertes. Hein. Les, les gens qui vous disent qu'ils ne font que des gains, en général, tout n'est pas, pas dit, ou alors il y a des il y a des mensonges derrière. Donc diffusion du NFP dans 8 minutes. On a un arbitrage toujours en cours. Hein. Alors il a il a un peu baissé hier. Quand on a des accélérations baissières, on a le vix qui, qui remonte d'une manière un peu plus rapide. Et du coup, l'arbitrage avait remonté, puis là il est descendu parce qu'on a eu un rebond ici sur sur les indices américains. Euh, on est sur une zone d'équilibre. Hein. Pour l'instant on, on est porté, euh, euh, on est porté euh, par, euh, par une dynamique stable hein, sur cet arbitrage. Euh, mais euh, bon, pour l'instant, il n'y a, a pas trop d'évolution. Pourquoi ne pas faire grossir le compte avec les intérêts composés? Alors. Ça c'est quelque chose que je fais, mais pas sur ce compte. Ce compte, il a vraiment une portée pédagogique. Donc le but, euh, je crois qu'Eric, hein, vous me connaissez depuis longtemps, euh, j'ai eu pendant quelques années, j'ai pris un, un capital que j'ai fait grossir, 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 grossir. Euh, le problème, c'est que je, je veux pas, je ne veux pas que l'on que l'on croit que je veux présenter de la performance. Le but, il est vraiment pas là. Le but, il est de vous montrer comment, euh, comment construire ses trades, comment, euh, comment construire son trading, comment construire ses stratégies. Hein, vous me voyez euh, faire évoluer la stratégie d'arbitrage depuis maintenant euh, quelques mois. C'est vraiment plus ça que j'ai envie de montrer plutôt qu'un suivi de performance. Alors, je reste sur compte réel parce que je pense que c'est légitime et c'est. Euh, comment dire C'est c'est obligatoire quand on veut montrer du trading de, de le faire sur un compte live. Sinon, on se fait un compte démo, on fait n'importe quoi et en fait, la, 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 le résultat n'est pas réel parce que on sait très bien que quand on trade sur compte, sur compte virtuel, on n'a pas du tout la même implication mentale et le mental est une composante principale du trading. Beaucoup de, de traders font des erreurs par manque de mental. Et donc, je voulais vraiment rester dans, ce, dans cette optique. Réel après le but n'est pas de de, de de faire de la, de la performance, le but c'est de vous montrer qu'on peut gagner en trading. Ceux qui me suivent depuis longtemps maintenant sont convaincus parce que j'ai dévoilé mes résultats en temps réel pendant de nombreuses années. Mes track records étaient disponibles et, et publics. Après, voilà, euh, j'ai eu d'autres engagements. Je me suis engagé avec une société de gestion. On, on a aussi un peu peur du reverse engineering. Donc on m'a demandé de ne plus montrer mes, mes positions en temps réel, hormis pendant les trading live, donc c'est quelque chose que je fais. Mais du coup, voilà, le, le track record maintenant n'est plus diffusé en temps réel, mais j'essaye de montrer quand même qu'il y, qu y a une progression et que euh, même avec un petit capital, le but aussi c'est de rester avec ce petit capital, qui est un capital de, de 6 000 euros, hein, pour moi, en dessous de 5-6 000 euros, on ne peut pas faire grand-chose. Et donc le but c'est de montrer qu'avec ce capital, on peut quand même arriver à faire des coûts. Je veux dire, hier, on a fait, euh, je crois qu'on est à 400, 450 euros. Euh, sur un capital à, à 6 000 euros, c'est euh, beaucoup. Hein, c'est beaucoup. Donc, euh, je veux dire, les, les, les 7,5% que j'ai fait là, ça a été euh, à certains moments la performance que j'ai fait sur une année. Donc, je pourrais très bien me dire, euh, bah tiens, là, j'ai fait 7,5%. Euh, je m'arrête et mon année est faite. Hein. Donc c'est euh, ça serait tout à fait possible. Mais bon, c'est pas le but. Euh, là là j'ai un très bon début d'année, parce que le mois de janvier a été bon aussi, euh, j'ai un très bon début d'année, effectivement. Le montant du compte réel est tellement faible que ça n'impacte pas ta vie, donc pas de stress. Oui, voilà, c'est aussi ça. C'est aussi, euh, aussi ça que je voulais montrer. C'est que, voilà, c'est un, un compte qui est, qui, 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 qui est relativement light. Et ça me permet, en fait, de l'utiliser euh, sans trop de stress. Euh, aussi, je prends en compte le fait que en trading live, je n'ai pas une une concentration optimale, parce que des fois il m'est arrivé même en direct hein, de louper des trades ou alors j'étais en train de parler et puis euh, j'étais pas assez attentif etc. Donc je veux bien, euh, je veux bien trader sur du compte réel, c'est quand même mon argent hein, qui, qui, est, qui est sur ce compte, mais euh, je sais très bien que l'intervention ne va pas être optimale, donc je préfère effectivement aussi trader sur un capital restreint. Pour ne pas justement euh, je pourrais hein, le faire, je l'ai déjà fait, hein, avec un moment on tradait avec euh, environ 20 000 euros. Bon ben bah voilà, c'était euh, on le faisait aussi et euh, c'était... ça se faisait quoi. À l'époque je faisais aussi très peu de manuels, hein, on, on ne faisait qu'uniquement que de l'algo. Bon, c'est quelque chose que j'ai fait. Là, j'ai préféré rester donc sur ce type de capital pour aussi être accessible. Le but est de montrer aux gens qui veulent commencer à investir en trading qui peuvent commencer avec 5-6 000 euros et commencer à faire de temps en temps un peu de performance, etc. Honnête, honnêtement, sur des capitaux euh, inférieurs, c'est compliqué hein, de faire de la perf parce qu'on a un impact des frais qui est beaucoup plus grand. Euh, donc est, on, est en, on a tendance à faire beaucoup plus de petits coups et plus on raccourcit l'horizon de trading, plus... Euh, plus on a du mal à, à être rentable. Donc voilà, c'est un arbitrage. Hein. Euh, à un moment, j'hésitais, 5, 10 000, bon, là, je suis resté un petit peu euh, entre les deux. C'est, je pense, un, un bon compromis pour déjà avoir un capital euh, qui commence à représenter quelque chose, parce que euh, moi, je connais des gens, c'est le capital qu'ils ont pour... Euh, c'est leurs économies. Hein. Il, y a, il y a des gens qui ont entre 5 et 10 000 euros d'économie, c'est ce qu'ils ont constitué pendant toute une vie. Hein. Il n'y a pas que des... Il n'y a pas que des millionnaires en bourse. Et, euh, et en même temps, suffisant pour commencer à faire quelque chose. Donc, je me suis dit que c'était une bonne moyenne. Voilà. Donc euh, après, ce, le, le, les stratégies que j'utilise sont scalables. Hein. C'est-à-dire qu'on peut, euh, peut l'utiliser en proportion avec des, 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 des niveaux supérieurs. Il suffit tout simplement, par exemple, si on veut éviter de, 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 de s'exposer trop, eh bien de réduire l'exposition d'une manière... Euh, euh, d'une manière... Euh, comment dire proportionnelle et puis euh, on a on aura les mêmes résultats et effectivement euh, je, je rebondis sur le sur la réflexion de Loïc alors bon 14h28 on va regarder c'est important aussi quand on fait du trading que les résultats que l'on a N'ont pas d'impact en fait euh, sur sa vie. Alors euh, je peux le dire, hein, le, le, la, la journée qu'on a fait hier a été très bonne, ça ne va pas impacter ma vie directement. C'est-à-dire que c'est euh, des montants qui sont, euh, qui sont euh, déjà qui sont dédiés au trading et euh, qui, qui ne vont pas changer grand-chose dans mon train de vie euh, au jour le jour, euh, etc. Après, bon, j'ai des comptes un peu plus conséquents sur lesquels les perfs ont été très bonnes aussi. Donc, je dirais que là, ça va, ça va impacter certainement mon résultat de l'année 2022. Mais euh, si on avait, par exemple, un, un, une mauvaise perf, euh, ce n'est pas ça, en fait, qui mettrait dans des états de stress pas possible. Donc, c'est important, et ça, beaucoup de gens vous le disent, ne placer dans le trading que euh, des sommes que vous êtes prêts à perdre, surtout quand vous êtes en phase d'apprentissage. Alors voilà, diffusion du NFP, on le voit bien ici, au niveau des, des bougies. Euh, donc comme je vous le dis, ouf. Alors le chiffre est énorme, on attendait 150 000 créations d'emplois, on en, on en a 467 000. C'est assez exceptionnel, je pense qu'on va voir un déclenchement sur l'USDCAD parce que les chiffres du chômage au Canada par contre sont euh, inférieurs à ce qui était attendu, c'est-à-dire ils sont plus mauvais, ils sont pires. On attendait euh, 117 000 destructions d'emplois. On en a 200 000. Alors il y a des mouvements sociaux aussi au Canada. Ça a peut-être joué. Mais là, on a vraiment... Waouh. Wow, ah, même le salaire horaire en glissement annuel. Euh, alors, alors ça par contre, ça peut jouer. Parce qu'on a un salaire horaire moyen en glissement annuel qui est à 5% contre 5-2 attendu. Ce qui veut dire que vous savez que pour l'inflation, ce que l'on regarde beaucoup, c'est la, la, la boucle, ce qu'on appelle la boucle prix salaire. Et là on a de l'inflation. On a des salaires qui montent. Donc le fait d'avoir ça, ça peut vouloir dire attention, on se dirige vers peut-être plus de hausse de taux. Ce chiffre est important. Euh, salaire horaire moyen, il est considéré comme moyennement important par les, le calendrier économique que j'utilise. En fait, euh, je pense qu'avec cet écart-là, il est assez important quand même. Donc, création d'emplois dans le secteur d'agricole, création d'emplois dans le secteur privé non agricole, on attendait 150 000, on en a 444 000. Le taux de chômage. Oh Alors, ça, c'est impressionnant. Le taux de chômage qui était attendu à 3,9 est à 4 Donc, là, ça, c'est vraiment des choses que. Alors, moi, je ne suis pas macroéconomiste, c'est des choses que j'ai du mal à expliquer. Quand on a plus de création d'emplois qu'attendu et que l'on a un taux de chômage supérieur à ce qui était attendu. Là, je me dis, mais comment c'est possible, quoi? Et au niveau du Canada aussi, on attendait un taux de chômage à 6,2%. 6, on a un taux de chômage à 6,5%. Donc là, au niveau de l'USD, CAD, ouais, c'est étonnant qu'on n'ait pas. Euh, euh, on devrait avoir une grosse hausse là. Alors, la grosse hausse, on l'a, mais sur le dollarienne. Là, sur le dollarienne, on peut avoir un. On peut avoir un, un déclenchement sur le dollar yen parce qu'on a vraiment un, une, très forte, une, très forte, une très forte impulsion. Je pense qu'on a un effet yen qui doit baisser. Je rappelle que le, le yen a un, a un statut de, de valeur refuge. Donc là, comme on a des chiffres qui sont très bons, on a les deux composantes hein, qui, qui vont vers une hausse du dollar yen, à savoir le dollar qui monte, puisque des bons chiffres du chômage favorisent l'économie et donc la hausse du dollar, et favorisent la hausse des taux et donc la hausse du dollar, et euh, si on a euh, des chiffres du chômage qui sont bons, eh bien cela va vers un peu plus d'aversion au risque, donc moins euh, d'achats de valeurs refuge comme le Yen, et donc le Yen peut baisser. Donc là on a vraiment trois composantes qui je pense vont, euh, vont nourrir euh, cette hausse du dollar Yen, et je ne serais pas étonné qu'on ait un déclenchement sur cette paire de devises. On peut aussi avoir un déclenchement sur lusd donc deux facteurs de hausse sur l'USD, plus des chiffres au niveau du Canada qui sont euh, pires que ce qui était attendu, ce qui favorise là aussi la hausse du USD-CAD. On peut avoir des déclenchements algo sur ces deux paires de devises. On va attendre un petit peu, là pour l'instant on est toujours dans la phase d'impulsion. Il faut attendre qu'il y ait une phase de consolidation pour essayer de rentrer, à moins qu'on ait un mouvement tellement fort que l'algo rentre très rapidement et quasiment au plus haut. Ce qui peut être le cas dans certains cas, je crois que c'est comme ça qu'on est rentré d'ailleurs sur l'euroyen. Si on revient sur l'euroyen. Ouais, je ne suis pas sûr qu'on ait eu énormément de. qu'on ait eu énormément de de consolidation hier sur l'entrée. Alors Euroyen. C'était hier, ça non, ça c'est cette nuit. Euroyen, Euroyen, 3 février, voilà, on est là. Euh, ouais, vous voyez, là on a eu l'impulsion, on est carrément entre plus haut. Ah, ça y est, on a un break-out. Alors, GBPUSD, USD, tiens, je l'attendais pas, celui-là. Alors, on va revenir dessus. Voilà. Alors, GBPUSD USD à la baisse, donc on va voir ce que ça donne. GBP USD est assez sensible. Donc, on peut avoir, on peut avoir un bon... Euh... C'est étonnant d'ailleurs de jouer le GBP à la baisse alors que l'on a vient d'avoir une annonce de hausse des taux sur la livre sterling. Mais comme quoi, c'était largement anticipé. On voit que l'on a une belle baisse ici au niveau des, euh, des indices américains. Vous voyez que là, on a un dollar qui monte. Et du coup, on a une sous-performance des indices américains par rapport aux indices européens. Vous voyez que par rapport au plus bas, là, qui a été constaté, aux alentours de, entre midi 30 et 13 h on est au-dessus sur le CAC, on est au niveau sur le DAX, et on est en dessous sur le S&P 500 et sur le Nasdaq. Ça, c'est l'effet lié aux monnaies. On a une hausse du dollar. Donc du coup, on a une sous-performance des indices qui sont cotés dans cette monnaie. Ça, c'est très logique. Donc pour l'instant, déclenchement sur le GBP USD. Alors ce que ça donne, on a toujours un dollar yen qui est très haut. Bonjour Zenvo Globe. Alors Eric, je ne suis pas un spécialiste de la différence entre l'ADP et le NFP, mais je crois que je crois que hein, c'est à vérifier. Je crois que ce sont, euh, ça mesure deux secteurs d'activité totalement différents. Mais honnêtement, c'est à vérifier parce que là, pas, on n'est pas dans des choses que je maîtrise parfaitement, on va dire. alors, risque initial sur le gbp-usd de 0.5%. on voit ici, hein, donc, perte max 32.55. on est vraiment ici sur, euh, sur 0.5% de perte par rapport au capital avec un, un potentiel de gain qui lui est beaucoup plus grand, hein, puisque si on passe voilà, sur une unité de temps, on est sur un gain max à 160. 160, ce qui nous donne euh, bon, environ 3% entre 2 et 3%. Donc on a un facteur de 5 environ euh, entre le, le stop loss et le, et le take profit. Je suis étonné qu'on ait rien sur le dollar yen. Est-ce qu'il fonctionne cet algo au moins On va voir si ça fonctionne. Ah ça y est, on a un déclenchement sur le de yen. Donc oui, ça marche. Donc pour l'instant c'est dans le rouge. On va voir si on a un suivi derrière. On a une forte baisse ici au niveau de l'or. Hmm. Ça part un peu moins bien qu'hier quand même. Hein. On le voit ici au niveau du GBP USD. Alors on a déclenché très tôt hein, sur le GBP USD. On a pas mal de rebonds ici. En plus, on a le, le taux de chômage donc qui peut vraiment... Euh, Tempérer le, l'aspect le, euh, très positif du, du NFP. Donc, on va attendre de voir un petit peu comment ça se passe. Je voulais voir un petit peu si on avait des grosses différences entre. Ouais, vous voyez. Alors, ça, par contre, ça peut être intéressant. On va peut-être rester. Euh... Jusqu'à l'ouverture des marchés, puisque quand on a des décalages comme ça sur la news, en général, ce décalage se répercute sur l'ouverture. Donc ça peut être intéressant. Donc le gold qui revient tester les 1800 dollars l'once. Alors ça effectivement Jacques, un hein, nom de ferme payroll c'est hors secteur agricole, ADP, euh, ADP je, je sais qu'il y a une différence, alors attendez. Parce que les ADP sont aussi des créations d'emplois non agricoles. J'essaie de voir la différence. Secteur de l'emploi privé non agricole déterminé à partir de données relatives aux revenus de 40 000 entreprises américaines. Publication effectuée deux jours avant celle des statistiques gouvernementales constitue un bon signal dans le rapport de sur l'emploi non agricole. La variation de cette inquiétude peut être très voûtable. Bon, donc, en fait, a priori, c'est un échantillon de 40 000 entreprises. Donc, c'est l'emploi privé non agricole déterminé à partir des données relatives aux revenus de 40 000 entreprises américaines. Alors que le NFP... Donc je vais revenir sur le NFP. Le NFP, c'est... Donc, c'est gouvernemental. Euh, voilà. Euh, je vous dis ça tout de suite. Masse salariale non agricole mesure l'évolution du nombre de, nombre de personnes employées au cours du mois dernier dans toutes les entreprises non agricoles. Donc là, c'est toutes les entreprises non agricoles. Le total des salaires non agricoles représente environ 80% des travailleurs qui produisent l'ensemble du produit intérieur brut des États-Unis. Il s'agit du chiffre 1, considéré comme un indicateur avancé. Peut être très volatile. Ouais, donc en fait, c'est euh, le chiffre gouvernemental est plus euh, plus large. Le chiffre ADP n'est qu'un n'est qu'un échantillon. Semble, il semble, en tout cas, il semblerait. Alors ça, par contre, c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on revient sur le break-even. Donc ça veut dire qu'on n'est pas sur un rebond immédiat. C'est intéressant. Après, ce qui serait bien, c'est qu'on ait quand même une, une nouvelle impulsion, parce que si ça bouge pas comme ça, euh, ça va pas générer grand-chose. Hein. Je pensais qu'on aurait quelque chose sur l'USD CAD, mais en fait, on. Là, typiquement, alors je ne vais pas le faire, hein, mais typiquement, manuellement, là, j'aurais déclenché quelque chose. Des... Ça, c'est des bougies que j'aimais bien, qu'on avait des retraits d'un tiers environ. C'était des... des positions que j'aurais pu prendre. Là, maintenant, c'est optimisé, c'est donc je ne vais pas le faire manuellement, mais euh... c'est typiquement le type de bougie que j'aimais bien, ça. l'instant en tout cas on reste au niveau du, du déclenchement euh, pareil au niveau des indices il semblerait que on n'aille pas plus loin Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe deux positions pour l'instant on a quand même moins de puissance que ce que, que ce que nous avions hier petit peu de plus-value. C'est bien qu'on ait un petit peu de relais là. Ça serait pas mal. Ça terminerait bien la semaine. Donc clairement on a de l'anticipation haussière là hein, sur le dollar. Euh, quand on a pu économiser que 5000 euros, comment dire que l'on ne peut placement que les sommes que l'on est prêt à perdre en trading? Alors je me suis peut-être mal, n'est pas ce que j'ai voulu dire. Ce que j'ai voulu dire c'est que 5000 euros c'est des fois des gens qui n'ont réussi à économiser que ça. Euh, Ce n'est pas forcément des gens qui ont tout placé sur la bourse, mais il euh, y a aussi des gens qui diversifient un petit peu leur placement et qui n'ouvrent un compte de trading que pour 5000 euros pour, par exemple, pour, euh, pour dynamiser un petit peu un ensemble de patrimoine. Euh, Je ne sais pas si, par exemple, vous avez, euh, vous avez euh, 50 ou 100 000 euros de, de patrimoine euh, comment dire, investi euh, si par exemple vous avez placé 80 000 euros sur du, sur du sécurisé, vous pouvez très bien vous dire, bah tiens, je vais mettre entre 5 et 10 000 euros sur quelque chose de plus dynamique sur lequel je vais essayer d'être un peu plus agressif. Ça, c'est tout à fait possible. En fait, quand j'ai dit ça, ça ne voulait pas forcément dire qu'on mettait tout. Alors, surtout, oui, si vous n'avez qu'un capital de, de, de 5 000 euros, vous ne mettez pas tout dans le trading. C'est hyper dangereux. Hein. Le trading, c'est... Euh, Typiquement, c'est un, un secteur d'investissement sur lequel vous pouvez tout perdre. Il faut vraiment le voir comme ça. Peut-on ne pas conseiller de commencer avec des petits contrats possibles pour gagner en confiance, mais également avoir soit une stratégie de renfort et ou jouer les PV rapidement Alors, moi, c'est ce que je conseille effectivement. C'est euh, même si vous avez euh, des sommes importantes, commencer par des sommes minimes pour vous faire la main euh, sur les produits. Euh, le compte démo, pour moi, il n'est bon que pour euh, appréhender la plateforme. C'est-à-dire qu'un compte démo, il y a une chose qu'on n'aura jamais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'implication mentale. Et ça, c'est quelque chose, tous ceux qui font du trading, vous le savez, quoi, c'est le mental qui fait qu'on va réussir à gagner ou qu'on qu va perdre de l'argent. Et vous aurez beau faire de la démo, de la démo, de la démo. L'implication mentale, vous n'allez jamais l'assimiler. Donc, si vous voulez commencer à prendre tout doucement, avec peu de risques, eh bien, vous commencez, vous commencez avec des petits montants, même si vous avez la capacité à mettre plus, pour justement apprendre. Après, si vous les perdez, c est, c est, c est, ces sommes-là, dites-vous que c'est un coup d'apprentissage. Beaucoup de gens veulent apprendre le trading par eux-mêmes sans payer de formation, etc. Donc ok, auto-formez-vous, mais rien n'est gratuit. Vous ferez des erreurs, forcément, que ce soit des erreurs de manipulation, que ce soit des erreurs d'appréhension de, de marché, vous allez faire des erreurs, vous allez perdre de l'argent. Moi tous les gens que j'ai connus qui commencent en trading, ils ont tous perdu de l'argent. Donc vous allez en perdre, j'en ai perdu aussi. Dites-vous que c'est le coût d'un apprentissage. Après, si c'est pour commencer en perdant de l'argent, autant en perdre le moins possible. Et donc commencer avec moi c'est ce que je conseille commencer avec un capital réel une fois que vous maîtrisez bien la plateforme mais avec un capital réel fortement réduit par rapport à votre capacité d'emprunt enfin non à votre capacité de de de, de, de pas d'emprunt de excusez-moi euh, de placement Mais effectivement, oui, euh, moi j'ai commencé les CFD avec un compte à 1000 euros, alors que j'avais euh, plus d'argent, mais euh, j'étais sur, euh, sur des sur des comptes titres, je faisais un petit peu de turbo, et puis euh, quand je découvert les CFD, j'ai dit tiens, c'est intéressant cette chose-là. Et euh, je me rappelle que j'ai ouvert quelques comptes avec euh, 1000 euros, je mettais 1000 euros dessus. C'était trop peu même déjà, mais euh, déjà, euh, 1000 euros, bah, quand vous crachez le compte, euh, bah vous avez perdu 1000 euros, c'est le coût d'un apprentissage mais voilà vous avez préservé l'essentiel perdre 1000 euros si vous en avez 100 000 à côté c'est pas bon, c'est toujours embêtant mais c'est pas c'est pas vital non plus quoi alors peut-on conseiller de, pour gagner en confiance mais également alors les stratégies de renfort je me méfie toujours euh, je pense qu'avant d'avoir des stratégies de renfort il vaut mieux déjà maîtriser euh, les stratégies simples plutôt que de faire des renforts, euh, jouer plutôt la diversification. Moi, pour moi, quand j'ai vu le, le levier que proposaient les CFD, j'ai tout de suite pensé, alors pas à m'exposer, me, à m'exploser, <laughs> vous avez vu la, 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 <laughs> la, la, comment dire la frontière est, est mince, hein euh, je n'ai pas vu la possibilité de m'exposer plus, j'ai vu la possibilité de me diversifier plus. Et c'est en ça que pour moi les CFD sont intéressants, c'est-à-dire qu'ils vont vous permettre de vous diversifier et grâce à l'effet de levier à ne pas, euh, à ne pas euh, utiliser trop de marge. Donc ça c'était... J'ai trouvé ça assez intéressant. Ensuite, euh, les stratégies de renfort, honnêtement, j'ai pas une très bonne. Euh, quand on débute, on commence pas par ça. Parce que sinon, tout de suite, on, on commence à essayer les systèmes un petit peu Martingales, etc. Et c'est ça se termine rarement bien. Donc euh, moi j'irai plutôt euh, commencer avec des expositions minimales. Apprenez le monnaie management et euh, diversifiez vos, vos interventions. J'irai plus dans ce sens-là. Taux d'emploi peut augmenter en même temps que le chômage, la reprise à se désinscrire au chômage. Oui, c'est ce qu'on dit, euh, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Oui, Jacques, hein, le lapsus, il était beau. Hein. <laughs> euh, c'est ce qu'on dit souvent, hein, ce que certaines personnes sont... sont découragées de se réinscrire au chômage. Alors ça, c'était bien quand on avait un taux de chômage qui était supérieur. Là, on est quasiment au plein emploi. En quoi les personnes vont être découragées euh, de s'inscrire au chômage Je ne sais pas. Hmm. Quand on est à 7-8%, oui je veux bien, mais quand on est à 4%, euh, ça veut dire qu'il y a du travail, quoi. Je veux dire, c'est quasiment considéré comme le plein d'emploi là-bas. Hein. Donc, euh... donc bon. Euh... Alors Eric, moi mon premier compte de trading a vécu 15 minutes. Le temps passé à l'ouvrir, prenez plus de temps. Euh... De l'eau sur GBPUSD, levier 500, et en 15 minutes reste que 10 euros sur les 500 engagés. Ouais. Martingale et Grid, ouais, Martingale, les c'est pour moi, c'est le, 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 le piège à, à imbécile. Enfin, c'est le truc. Les Martingales, les, les Martingale Grids, pour moi, c'est quelque chose qui est... Faut, faut pas mettre le doigt dedans. Et on en trouve énormément. Hein. Je pense qu'entre 80 et 90% des robots qu'on trouve dans le commerce sont des algos qui sont faits à base de Grid ou de, ou de Martingale. Hein. C'est malheureusement c'est après ça se comprend hein. quand vous voyez le track record d'une d'un grid c'est en général ça fait des belles courbes hein. on est sur des progressions qui sont hyper lisses qui sont qui sont bien positives et puis ce qu'on vous montre pas c'est quand le, le compte y crache quoi Moi, je vous. Enfin, déconseille de, de rentrer dans ces systèmes-là. Donc, euh, à la limite, restez sur du directionnel, faites des choses simples, commencez. Vous savez, euh, si vous ouvrez un compte avec 1000 euros et que vous ne faites que des expositions à, à un micro-lot, euh, il, il peut durer votre compte. Hein. Et puis, dans ce cas-là, moi, ce que je conseille, alors, parce que je voyais tout à l'heure Zenvo Globe qui disait augmenter l'exposition au fur et à mesure, en fait, euh, essayez de mettre au point un système de monnaie management proportionnel avec votre mini-capital, à 1000 euros par exemple. Et si vous voyez que vous commencez à gagner de l'argent, restez avec la même proportion, mais augmentez le capital. C'est-à-dire que vous aurez vos repères. C'est-à-dire que vous aurez vos repères par rapport à votre capital. Et quand vous allez augmenter votre capital, eh bien, vous resterez avec la même proportion. Donc, en augmentant le capital, vous allez garder, vous allez donc augmenter votre, votre exposition, mais au moins, vous allez garder vos repères. Et c'est important, quand on, quand on évolue comme ça, de garder ses repères. Et puis, alors, par contre, ce qu'il faut faire, c'est là, je dirais, c'est un petit peu contre-intuitif. C'est quand on est en phase d'apprentissage comme ça et qu'on se rend compte qu'on peut, euh, qu peut euh, rajouter du capital, ajouter du capital après une série de pertes, pas après une série de gains. Moi, j'ai souvent remarqué que, euh, y a, je l'ai toujours dit, il y a une alternance hein, dans les gains et les pertes en trading. Et que euh, bah, quand vous avez une grosse série de pertes, c'est à ce moment-là qu'il fallait rajouter du capital parce que derrière, si vous avez une, une série de gains qui, euh, qui, euh, qui revient derrière, eh bien vous, vous comblerez plus facilement. Et j'ai toujours essayé de faire comme ça, c'est-à-dire de retirer euh, de l'argent suite à une série de, de, de gains et d'en remettre suite à une série de pertes. Le problème, c'est que c'est contre-intuitif parce que quand on a notre stratégie et Qu'on fait une série de pertes en général, on a tendance à perdre confiance, et du coup, on se dit, ouais, je viens de faire une série de pertes, est-ce que c'est vraiment le moment d'en remettre, quoi? Et du coup, on doute, on va refaire des gains, et du coup, on va se dire, bon, finalement, si c'était bon, je vais en remettre, alors que si on l'avait mis avant de faire ses gains, on aurait gagné plus, en fait, et donc, c'est ce qu'il faut essayer de faire, mais c'est pas mentalement, c'est pas facile. Euh... Quasiment tous les robots, ouais. Enfin, je pense que vous ne voyez pas de grid hein, dans mes algos, Jacques. Euh, même Weinstein, c'est une sorte de grid. Un... <laughs> je connais pas le, la technique de, de Weinstein. Mais euh, oui, je, je sais que bon, j'ai quelques, enfin, j'ai quelques contacts hein, dans la communauté euh, du trading algo et euh, des fois, on arrive à voir des robots qui passent. Et quand on les ouvre hein, pour voir ce qu'il y a dedans, euh, on est, on est surpris. Hein. Enfin, surpris non, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est quasiment tout, euh, quasiment tout comme ça, quoi. Et bon, ça fait maintenant, euh, je crois qu'on a commencé les trading live en 2014, donc ça fait 8 ans hein, que vous me voyez faire du live et du trading sur compte réel. Je pense que vous n'avez pas dû voir beaucoup de, de martingales euh, sur mes algos ou même en manuel. Hein. Alors, donnez-moi deux minutes. Voilà, mon apprenti qui voulait rentrer. Vous avez présenté mon apprenti, il me semble, la semaine dernière. Alors, euh, bon, pour l'instant, ça ne bouge pas. On est légèrement positif hein, sur, les, sur, les, sur les deux positions. Voilà, vous voyez, on a l'impulsion et derrière, il y a très peu de suivi. Hein. Mais bon, on a une petite dynamique quand même. Donc à voir si c'est... On a déjà cassé le point haut, donc c'est pas mal. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que la dynamique est vraiment faible. On a un stop qui est relativement bas. 38,95, on est un poil au-dessus des 0,5%. On doit être à 0,6. Bon, 0,6 plus 0,5, on est à 1% de risque environ. Bon, ça va, c'est pas... C'est pas énorme, mais j'espère qu'on va, euh, qu va évoluer quand même. Ça serait sympa. Ça serait sympa. Pas qu'on fasse une grosse perf aujourd'hui, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose derrière. Quand on voit l'euro dollar, comment il rebondit, je me dis que j'ai déjà de la chance que le gbp usd reste sur ces niveaux. Après, on a plus d'appétence haussière sur l'euro hein, depuis euh, depuis hier. De l'arienne, je pense qu'il va progresser encore un petit peu. Euh, les NFP sont passés, euh, je crois qu'on a quelque chose à 16 heures. Euh, 16h attendez non ça c'est pas le bonjour alors hein, création d'emploi ah non c'est l'indice PMI IV donc c'est au Canada donc normalement plus d'impact on a plus d'impact ensuite ouais donc là dollarienne euh, je pense que le dollar yen en fin de semaine peut monter un petit peu Ouais, ça va être dur quand même hein, parce que euh, je ne sais pas si on aura assez de jus pour casser cette zone là des, des 115-60. Et 115.60, on on financerait même pas le stop. Hein. Donc euh, ça je pense que ça va se. Ça va se clôturer en. Sur la durée. Hein, en durée limite. usd ça peut descendre, mais à mon avis, il n'y a pas, il a pas énormément de jus, il a pas énormément de jus, ouais. Ah, si on gagne un petit peu là si on vient dans la zone 50 61 8 pourquoi pas mais bon c'est moins spectaculaire qu'hier hein. Il n'y a plus qu'à attendre. 15h02. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous proposer Peut-être des analyses euh, des analyses pour ceux qui, qui le souhaitent. Si vous avez un ou deux actifs avant l'ouverture des marchés américains. Puis en même temps, on surveillera les, les positions en cours. Bonjour Patrick. Ah, Euro Heure PBO. Ah, je comprends pourquoi PBO maintenant. Alors, je trouve que le VIX est resté assez haut à cause de l'Ukraine, oui, certainement. Certainement. Après, il y a un calcul de volatilité. Hein, à l'époque où j'avais justement cherché à, à équilibrer mon VIX avec mon SP 500, je m'étais plongé un petit peu dans le, la formule de calcul du VIX. C'est assez, euh, bon, assez complexe. Euh, on est sur des sur des échelles de volatilité, sur des choses comme ça. Euh... Je pense que l'Ukraine joue un petit peu. On voit là que bah, on a des indices qui baissent fortement, on a le VIX qui remonte un peu. Bon. On est assez équilibré. Hein, le, le... Vous voyez que l'arbitrage, hein, qu'on soit... Hier, on était, euh, on était à combien Hier, on était autour de 4006, non Ah non, on n'y était même pas. Ah non, on n'a pas eu les 4006 parce que j'attendais pour euh, arbitrer sur un autre compte les valeurs de, de VIX. Et euh, je n'ai pas pu le faire parce qu'on s'est arrêté à 580, 90. Mais voilà, on était à 500, allez, 540, 550. Là, on est à 440, on a perdu 100 points. On accélère, hein. regardez le SP 500 ici, euh, on accélère à la baisse. Tiens d'ailleurs. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors tiens, c'est intéressant, on a le Nasdaq qui sous-performe. Euh, oui, chiffre du chômage, donc plus de hausse de taux, donc valeur de croissance qui risque d'en de, pâtir. Donc là, on va essayer de refaire l'approche qu'on avait tenté hier à savoir donc là par contre on va on va bien le surveiller celui-là à partir du moment où on voit cette hausse on va attendre ici qu'il y ait une phase de baisse pour essayer d'anticiper un peu l'ouverture et de profiter d'un mouvement d'ouverture on va essayer de faire ça parce que je sais que c'est déjà arrivé et notamment suite à des NFP qu'on puisse rentrer comme ça mais là c'est intéressant par contre cette cette décorrélation, vous voyez que le Nasdaq, là on a les deux graphiques hein, à côté, vous voyez que le Nasdaq ici par rapport au SP500, par rapport à ce point bas là, hein, même, même l'échelle est, est totalement différente et c'est ce que traduit cette courbe, hein. c'est-à-dire que là cette courbe nous dit pour un long short euh, SP500 Nasdaq, on a un arbitrage qui monte et donc pour un long short inversé, c'est-à-dire un long short NASDAQ S&P 500, on a une valeur qui baisse. Donc on a bien la symétrie et on le voit ici. Hein. On le voit que si on achète du S&P 500 et qu'on vend du Nasdaq ici, on a un arbitrage qui monte. Si on équilibre les bêtas, bien entendu. Donc on va on va surveiller ça. Ah, je crois que mon dollarien, j'ai parlé trop vite. Alors normalement on a des stops qui ont dû bouger. Donc au niveau des risques on a dû changer un petit peu. Moins 35, ouais. Moins 32, non, ça n'a pas bougé. J'ai vu les... Et pourtant il me semble avoir vu le stop bouger ici sur le dollar -y Mais bon, pour l'instant, on est sur le même risque. Alors on demande Athos, l'Ukraine ça va être tranquille au moins jusqu'à mercredi, les Russes vont pas envahir quand Macron sera à Kiev. <laughs> Remarque oui ça serait drôle, et puis nous garde Macron comme otage, <laughs> juste avant les élections, il ne va pas pouvoir se, se déclarer candidat, <laughs> ça serait drôle. <laughs> CAC moins 1,25, ça sent la journée à moins 2% au plus bas, encore sur le Nasdaq, ouais le Nasdaq il, il creuse bien là. Ah oui, ça serait drôle ça. Macron va en Russie, rencontre Vladimir Poutine, il le garde en otage pendant quelques semaines, et Macron manque le délai pour se présenter. Et donc du coup, il n'est pas, il n'est pas candidat à sa réélection. Ouais, ça serait un scénario assez bizarre ça. Peur que les positions ne donnent pas énormément de satisfaction. Alors, on m'a demandé à tous. A tous, à tous, à tous. tous. Euronext Paris. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça Alors typiquement le genre de titre sur lequel je... Pour moi, il n'y a, a rien à faire sur ce genre de choses. On va se mettre en, en délit. Voilà. C'est baissier à tous les niveaux. Alors moi, je n'ai jamais été vendeur d'actions. Hein. Je ne vends pas les titres. Hein. Je préfère. Euh, pour moi, la bourse est faite pour monter. Donc j'ai toujours été acheteur d'actions. La seule chose que j'ai pu faire, c'est de faire des longs shorts. Il y en a un que j'avais fait notamment, euh, Renault Peugeot. Mais euh, sinon, euh, en directionnel, j'ai toujours acheté. J'ai toujours acheté des actions et couvert en, en produits de couverture. Donc j'ai longtemps utilisé le BX4. Et ensuite j'ai couvert avec des turbos. C'est comme ça que j'ai découvert les turbos d'ailleurs. Bah, Atos, pour moi, euh, c'est baissier à tous les niveaux. Là. Quand on voit que même après la pandémie ça n'a pas réussi à rebondir on le voit ici hein, il y a eu le rebond on n'a jamais dépassé ici l'automne le, le, l'automne 2019 à quoi que si ah oui non février oui donc février 2020 ok covid rebond et depuis donc là pour moi euh, c'est baissé à tous les niveaux et euh, c'est pas fini quoi. Il n'y a pas de signal de retournement. On a eu un gap ici qui est énorme, qui n'a été comblé que partiellement, et on reste ici sur la zone de points bas. Ça peut appeler encore une poursuite de la baisse. Mais ça a tellement baissé, et puis vu que j'aime pas jouer la baisse, j'irai pas le vendre. On le voit aussi sur cette phase, le gap qui a été ouvert. A agi ici, c'est très très net. Hein. A agi ici comme zone de résistance. On a la résistance ici dans le gap. Donc ça c'est un gros signal baissier. Là ensuite on a nouveau gap. On cherche ici le rebond et au final on se rend compte que c'est presque ici cette zone de point bas. Donc qui depuis est dans le gap, qui agit comme résistance. Donc là encore un signal baissier, un support qui devient résistance. Donc là honnêtement, euh... honnêtement, pour moi, c'est. C'est baissier à tous les points de vue. Et si on casse ici. Euh... Allez, cette zone-là, 31-20. On continue. Hein. On continue. Et... Euh... Bah, prochain objectif, 28-06, quoi. Donc ouais, moi pour moi, il y a... Enfin, y... je vois pas de... Alors attendez. Voilà, on a un petit peu de divergence, mais c'est pas méchant. On voit que même les histogrammes du MACD sont pas en divergence. Ah oh non, c'est léger. C'est très léger. Un peu sur le RSI ici, effectivement. Mais une divergence, pour moi, à elle seule, ne suffit pas à justifier un mouvement de retournement. Ouais, là, les 31, si on les casse, ça peut continuer à descendre encore et d'une manière assez rapide. Voilà, désolé. Bon, et en attendant. Là, les signaux, ils se retournent. C'est un petit peu le problème, c'est que quand on déclenche et puis qu'on n'a pas de dynamique de suivi derrière, c'est souvent que ça se retourne comme ça. Bon, c'est les choses qui arrivent. Euh, avec une rançon en rouble. Ah oui, ça serait pas mal. Atos OPEA de Thales. Alors ça, je ne suis pas assez spécialiste pour, pour m'avancer sur des choses comme ça. Pourquoi tu coupes pas ton trade en négatif On cesse de dire aux débutants de couper les pertes et de laisser courir les gains. Ben, je coupe mes pertes à partir du moment où elles ont été optimisées, c'est-à-dire ma perte ici elle est à 0,5%. Donc mon stop il est optimisé par backtest. Je sais que sur le long terme il faut laisser de la place au trade de, de se réaliser et par contre le laisser courir quand il gagne. C'est ce que j'ai fait hier. Quand tu regardes le, le, le trade que j'ai fait hier ici, euh, bon, on va prendre celui-là par exemple, euh, au bout d'un moment, on, on a laissé courir, 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 quoi, jusqu'au temps qu'il n'y a plus de dynamique, et puis on a placé un stop suiveur, et puis euh, bah, le stop, vous voyez, qui s'est arrêté ici, on est, on est, on est sorti sur le take profit. Euh, donc là, oui, on laisse courir. Par contre, faut quand même. Il faut, on ne peut pas dire aux gens, euh, oui, effectivement, il faut, faut couper les pertes. Mais les couper trop tôt non plus. Un trade, il faut le laisser respirer. Sinon, on va pas arrêter de... On va prendre des pertes tout le temps. Hein. C'est le problème du stop euh, que l'on règle d'une manière trop proche. Tout le monde le sait avec un peu d'expérience qu'un stop qui est réglé trop proche, ben en fait, on va le déclencher tout le temps. Et en fait, on va trop rapprocher son stop, ne fait qu'augmenter la probabilité de le déclencher. Il hein. faut bien se rappeler de ça. Hein. C'est vraiment très important. Moi, quand je vois des gens, longtemps, hein, sur, le, sur le chat du site Boursicoté, les gens annoncer leur trade, et euh, les gens qui disent euh, stop serré, euh, stop serré, moi ce que je dis tout le temps, stop serré, stop pété. Hein, et pas c'est pas du trading pour moi. Et on peut pas avoir raison tout de suite. Donc, il faut laisser respirer son trade. Il faut laisser effectivement euh, la place à la transaction de, se, de prendre le, le bon chemin. Après là, voilà, on baisse. Bon ben on va voir un petit peu jusqu'où ça va. Ça peut très bien repartir. Mais euh, il faut que l'on ait quand même une certaine latence et il faut que... Que qu'au bout d'un moment on coupe. Donc effectivement, on va couper à... Là on coupe à environ 0,5%. Le monnaie management, il m'est donné par un... Euh, par l'optimisation le, le, de, de l'algo. Euh, je vais pas couper un trade alors que je l'ai passé, l'algo, j'ai mis euh, des mois euh, à, à l'optimiser et à le, à le rendre performant. Je sais pas pour lui mettre ensuite une touche manuelle. Donc là, effectivement, euh, c'est en perte. Je sais que ma perte max, elle est, euh, elle est symbolisée par, euh, par, euh, par le stop. Voilà, donc je laisse faire. Je laisse faire. En plus, le stop, il n'est pas inerte. Hein. Là, c'est vrai qu'il bouge peut-être pas beaucoup, là on est à 32,51, voilà, il remonte déjà celui-là, hein, 33,96, on était à 37, il me semble, tout à l'heure, ou 35, donc le, le stop, il remonte petit à petit, mais ça, je dirais, ça fait partie de la stratégie, effectivement, moi, quand je dis couper ses pertes, ça ne veut pas dire les couper dès qu'on perd 2 euros, quoi, sinon, c'est, honnêtement, c'est, enfin, on n'arrive jamais à gagner d'argent. voilà. Bon, on va attendre, on va voir comment ça se passe. Euh... On a, en plus, on a des, des scénarios de sortie justement qui évitent de sortir en perte. C'est-à-dire même quand il n'y a pas de dynamique. C'est notamment le, le cas du, du deuxième euroyen. Je vous l'avais montré, celui-là, voilà. Typiquement, regardez, ce trade il est riche d'enseignements, ni pourquoi tu pas coupé tes pertes tout de suite. Regardez là ce trade. Là, on est, on est venu clôturer OTP et regardez ce trade de Royen. Ici. Il est très intéressant. Pourquoi On a passé deux heures en moins-value. On a passé deux heures en moins-value entre là et là. Le moment où on coupe le trade, c'est le seul moment où il est positif. Regardez, on a ouvert là, le stop était ici. D'accord, on le voit. J'ouvre là, là je suis à la moitié, je suis à la moitié de la perte max. Ok Et on a oscillé ici entre le break-even et la moitié de la perte max. Et là, ici, c'est la première fois qu'on était en plus-value, le timing était dépassé, donc on est sorti. Bien, vous voyez que si j'avais dit, bah, là je perds, mon signal il est paumé, donc je, je lâche. En fait, ici, si par exemple j'avais coupé là, eh j'aurais perdu de l'argent. Alors qu'en attendant un peu, sachant que mon stop, ma perte max, elle était ici, en attendant un peu, j'ai réussi justement à éviter cette perte. Donc, ça, c'est important aussi. Ça fait partie de la stratégie. Et effectivement, il ne faut pas laisser courir ses pertes. Mais il faut s'autoriser une perte dans son monnaie management, qui est donc symbolisé par un stop. Mais se définir aussi. Des stratégies d'invalidation. Et ça, très important, à partir du moment où on invalide, eh bien, on sort à moindre frais. Et moindre frais, c'est break-even. D'ailleurs, regardez le résultat ici. Je suis sorti à zéro. Regardez, le trade, il est là. Je reviens dans deux minutes. Voilà. Donc en fait c'est important aussi c'est important aussi ça de, de, de le faire rentrer dans la stratégie. C'est-à-dire on a le stop, le stop c'est le max. Évidemment qu'on ne va pas tomber comme un cucu si on a une possibilité de sortir, qu'on vient de sortir notre, notre stop max, mais on se prévoit aussi euh, des stratégies d'invalidation. De, donc l'invalidation c'est je prends la deuxième impulsion, il n'y a plus d'impulsion, donc j'attends de sortir à moindre mal. Donc, Là, ici, on est sorti à zéro. Et moi, ça me va très bien. Regardez le potentiel qu'il y avait. Il n'y avait rien au potentiel. Derrière. Il n'y avait quasiment rien. Donc on a passé deux heures en moins-value. On voit le plus-value. Pof, on sort. Moi, je préfère ça plutôt que de couper trop court mon stop. Ok Donc ça, euh, ça, c'est important. Hein euh, condition d'invalidation. À partir du moment où le trade est invalidé, on essaye de sortir à break-even. Ça ne marche pas toujours. On ira parfois au stop. Mais ça nous permet d'avoir des, de des scénarios de sortie qui nous évitent des fois de faire certaines pertes. Et des pertes en moins, c'est euh, des gains qu'on conserve en plus. Hein. Bon, GBPUSD, a priori, ça sent le pâté. Vous voyez, de l'arienne, ce n'est pas encore tout à fait perdu. Donc on va attendre. À fait raison surtout que les investisseurs connaissent les stops de débutants en les déclenchant volontairement bonjour devenir ingénieur alors après sur ce sur cette théorie des déclenchements des stops euh, ce qu'il faut vous dire c'est que les, les institutionnels ont une surface financière tellement grosse par rapport à nous que j'ai toujours été euh, j'ai toujours été mitigé avec ce, cette histoire de chasse au stop. Euh, par contre, c'est vrai qu'il y a des brokers qui le font parce que quand on est la contrepartie de son client, bah, on n'a pas intérêt à ce que son client gagne. Donc ça, il y a des brokers, hein, beaucoup de brokers qui, qui se sont amusés à ça. Alors, je sais que ça existait il y a quelques années avec les réglementations ESMA. Euh, bah, euh, déjà, si vous êtes régulé euh, si vous êtes régulé avec des régulations correctes, en général c'est des choses que vous ne pouvez pas faire. Mais après, c'est sûr que si vous allez chez un, bro un broker exotique, c'est le risque. Hein. Le risque hein. Moi j'ai vu des positions, euh, ça c'est souvent un exemple que je donne avec Active Trade, euh, la position passer à un dixième de pipe du stop hein, et pas se déclencher et repartir en gain de l'autre côté. Pourquoi tu supprimes pas la tendance de ton indicateur et garder juste la volatilité pour la stratégie long short. Hein Je comprends pas. Là-dessus? Je comprends pas la question. Oui, bon on est raccord, hein, Jacques Jacques Rakam. Euh, je, suis, je suis totalement en ligne avec, euh, avec ce que tu viens de dire. La chasse au stop, les, les Franchement, on est insignifiant hein, dans le marché. Enfin, je sais pas. Je veux dire, un compte CFD, euh, de, de, même un compte euh, sur le spot à 6500 euros, mais pff, on est, on est même pas une goutte d'eau dans l'océan, quoi. Je veux dire, euh, c'est, enfin, faut, faut être conscient quand même des choses. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu vont gagner à aller, à aller déclencher un stop euh, sur une exposition à euh, 16 micros? 16 micros, qu'est-ce que c'est C'est 160 000. Non, même pas, 16 000 euros. 16 000 dollars même. C'est est insignifiant. On est, en tant que particulier, on est insignifiant face au marché. Donc chasse au stop pour 16, pour 16 micros. Euh, J'y crois pas trop. Si vous avez 20 lots encore, pourquoi pas Mais euh, sur des positions comme ça. Je pense même que le broker, il n'a pas intérêt à vous déclencher votre stop. Il a plus à perdre en, en réputation qu'à gagner en argent. Quoi. Oui, par exemple, détecter juste les variations sans tenir compte. Sans tenir en compte la direction. Ah, je ne comprends pas. Désolé. Euh... Donc détecter juste les variations sans tenir en compte la direction. Ah alors vous parlez, tu parles certainement de celui-là alors. Alors celui-là on ne tient pas compte de la direction. Hein. On tient compte de la variation effectivement, mais euh, l'évolution en fait de l'indicateur est totalement indépendante du côté directionnel des indices ou du VIX. C'est vraiment un calcul entre un S&P 500 et un VIX. Euh, équilibré en bêta donc euh... donc je sais pas si c'était ça la question mais euh... ouais alors je reviendrai hein, sur ce que sur ce que tu viens de dire jacques mais bon là enfin si c'est sur cet indicateur là où oui, la cour a tendance de monter ou descendre. oui bah en fait ça c'est juste une variation. D'un arbitrage. Alors, typiquement, regardez, je vais vous montrer, hop, propriété IK VIX Alert. Donc, comment il fonctionne cet indicateur Ici, je mets le symbole, c'est-à-dire que là, on est sur le SP 500, donc euh, mars 2022 en délit. Je vais venir comparer avec le VIX euh, contrat février 2022, et l'exposition de mon SP 500 est de 0,01. Pourquoi Parce que là, vous voyez que ma position ici, elle est de 0,01. Et là en fait j'ai la variation de mon arbitrage pour 0,01. Okay. Ensuite je viens ici définir des, euh, des, des, des variables, d'accord, mais si par exemple, alors je sais pas si ça va le faire, si je mets par exemple ici euh, 0,10, normalement la courbe change un petit peu. Non, elle change pas alors attendez des fois euh, bon parce que c'est c'est du c'est moi qui l'ai fait celui là et c'est vraiment une ébauche donc il n'est pas il, il refait pas forcément le calcul à chaque fois et il faut mémoriser alors attendez on va le mémoriser on va faire un print écran voilà on va le mémoriser comme ça voilà il est là hein. on va le mémoriser et en fait ce qu'il faut faire une fois qu'on a changé le réglage des fois on fait hop hop ouais oh, non c'est la même c'est la même. C'est la même, ça n'a pas changé. Mais je sais que sur ce, euh, certaines fois, ça avait changé les choses. Hein. Alors là, on a 29 869. Ouais, c'est bon, c'est ça. On a un facteur 10, mais effectivement la valeur n'a pas changé. Ah oui, bah oui, forcément. Parce qu'en fait, l'exposition le, le, du... Pour avoir quelque chose de, de cohérent, l'exposition du VIX, elle est variable, mais avec, avec un niveau de virgule qui va au-delà de ce que l'on a chez le broker. C'est-à-dire que là, on a une cotation à, à deux chiffres après la virgule, et en fait, je vais à, à plusieurs chiffres après la virgule sur ici l'indicateur pour justement garder euh, un, bêta, un bêta parfait. Alors FXM l'a bien fait et l'a payé cher comme leur client. Oui, FXM euh, l'a fait, ça a été su. Mais regardez où est FXM maintenant et regardez où sont les brokers qui ne l'ont pas fait. D'accord Voilà, la, la réponse, elle est là. Et je pense que du coup, ils ont eu plus à perdre qu'à gagner sur cette histoire. Du coup, tu t'intéresses à la volatilité de l'indicateur ou sa direction. Non, la volatilité de l'indicateur non, par contre, c'est la direction effectivement qui m'intéresse. Sur comment il monte ou il descend. Pas tout à fait d'accord concernant la chasse au stop, elle existe mais concernant le marché dans son ensemble et non sur comme par hasard nos positions. Cela permet de fournir de la liquidité et de déclencher un mouvement. Fournir de la liquidité, je sais pas, mais euh, par exemple, c'est vrai que vendre dans une zone assez peu liquide, et ça on le détecte en regardant un petit peu le carnet d'ordre, euh, pour racheter plus bas, ça je sais que oui certains euh, certains fonds qui, euh, qui ont plus de problèmes d'exécution que, que ce que peut avoir un particulier peuvent être tentés de faire ça, oui. Ben, C'est tout bête, hein. euh, si vous vous dites il euh, y a beaucoup de stops. Euh, alors attendez, euh, comment on fait pour avoir un. Euh, tuc, 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 tuc. Comment on va faire Voilà, on va dessiner là. Si les cours ils montent, ils montent, ils montent, et puis vous détectez que là il y a des trous euh, y a des, y a, où il y a des stops ou des choses comme ça. Ben, vous allez acheter, vous allez continuer à acheter, à acheter, vous allez déclencher des stops et ça va nourrir vos premières positions. Et en plus, vous allez acheter, acheter, vous allez déclencher des stops parce que ça va accélérer votre position. Donc, dans ce sens-là, oui, ça, ça existe. D'accord Mais par contre, à chaque fois que vous allez acheter, acheter dans ces moments-là, ben, vous serez mal exécuté parce qu'il y aura moins de contrepartie derrière. Donc, en fait, ça peut arriver si vous avez ici une grosse prise de position. Et puis ensuite, ben, vous achetez et vous faites continuer à monter avec des petits ordres. Et vous faites continuer à monter les cours. Et là, vos, vos, les gros ordres que vous avez passés, eux, prennent beaucoup de valeur. Donc ça, oui, c'est possible. Mais c'est pas volontairement pour péter le stop de quelqu'un, quoi. C'est pas... Le polonais. Je vois tout à fait de qui vous voulez parler. Il y a eu des histoires avec ce broker, oui. Et oui, le choix du courtier est important. Hein. Donc je vous rappelle que c'est euh, Akiftrade hein, qui euh, sponsorise cette séance. Euh, trade qui est donc un courtier euh, totalement régulé, hein. ESMA, autorisé par l'AMF, par régulé par la, la FCA en Angleterre, hein. licence européenne via la filiale au Luxembourg. Euh, voilà donc un, un broker qui présente toutes les garanties pour, pour une bonne exécution. Alors 15h30, on va toujours placer, tout de suite placer ici sur la deuxième, euh, la deuxième plateforme. Oh là là, Est-ce qu'on prend Est-ce qu'on prend Allez, on va la tenter. Toujours pareil, on va prendre une petite position. Euh, 15h30 c'est l'ouverture. Allez, on va tenter. Voilà, je vais prendre que sur cette position-là. On va mettre un trailing stop à 30 euros. On va définir un stop à 30 euros. Et on va voir ce que ça donne. On va aller dans le sens de la stat en fait. Vous voyez que là ça remonte. Donc le, déjà le stop loss, le, le, la perte max se réduit. Là, moi ce que j'attends c'est une impulsion d'ouverture pour, pour justement aller dans le sens ici de, de ce mouvement que l'on a eu pendant la stat où les marchés étaient fermés. Et vous voyez que ça marche. Hein. Vous voyez que là le, 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 le profit ici il monte. On a le stop loss ici qui suit. Et je dirais que si rapidement on arrive ici à 0, je me dirais, bah, je laisse couler la position, même si je fais 0, je pas grave. Si je vois qu'ensuite ça se stabilise un petit gain, mais qu'on a toujours un stop négatif, je viendrai fermer la position. Là, ce qui serait bien, c'est que sur l'impulsion d'ouverture, on vienne directement euh, euh, mettre le stop à 0. Mais vous voyez que ça va très vite. Hein. Ah, le de l'arienne est quasiment au break-even. Voilà, vous voyez là, le rien ici qui est à break-even. Je le vois sur une autre plateforme hein, qui est à côté. Mais comme quoi, euh, vous voyez là, par exemple, il est préférable, si on a décidé d'invalider le signal, il est préférable de couper maintenant qu'on est à break-even plutôt que tout à l'heure qu'on était presque au stop. Alors là, on va laisser couler la position. C'est-à-dire qu'on a anticipé. Et ça, ça arrive souvent, hein. je, vous le dis, je vous le dis tout net. Voilà, là, on a un stop à zéro, on a même un stop positif. Et on va laisser couler le, on va laisser couler le, le mouvement pour voir un petit peu ce qu'on peut attraper. S'il n'y a pas beaucoup de dynamique, si on remonte par exemple, là, typiquement, sur cet arbitrage, si l'indicateur revient jusqu'ici, eh bien, on viendra, euh, on viendra terminer, je pense, la position. Mais euh, là, voilà, c'est-à-dire on a un gain minimum à 6 euros. On a anticipé la position, donc on n'est pas sur un vrai signal. Voilà, regardez 10 euros de gain minimal. Et là, en fait, c'est sur l'arbitrage, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Lorsque l'on a un fort mouvement qui est impulsé par une stat, on vient chercher un point bas à l'ouverture. Et regardez l'arbitrage, comment il remonte très rapidement. Alors hier, ça n'a pas marché, c'est ce que j'ai voulu faire aussi. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, ça marche beaucoup mieux. Et là, en ayant avec un signal qui était très facile à prendre, vous voyez, j'ai un gain minimal de 18 euros c'est pas énorme mais c'est euh, avec, avec des petites rivières qu'on fait des grands fleuves hein, comme on dit et donc là bah, on peut le laisser on peut le laisser tourner le signal est ce que tu as essayé un expert pour trader le spread par exemple des positions courtes a ah, avec un singuin de oh du c'est du scalping ça euh, ça peut m'arriver de le faire, mais dans des conditions très particulières. Honnêtement, c'est quelque chose que je déconseille aux débutants. Euh, les débutants, moi je déconseille le scalping en général. Ce sont les stratégies les plus difficiles à, à maintenir rentables. Tout simplement parce que l'impact des frais est beaucoup plus fort sur des stratégies de scalping que sur des stratégies euh, directionnelles classiques. Donc, honnêtement, euh, quand on débute en trading, alors je sais que le scalping, alors en plus, le scalping, ça a souvent été mis en avant par beaucoup de traders, tout simplement parce que quand vous êtes, euh, quand vous êtes affilié, ramener des scalpers chez un trader, enfin chez un courtier, c'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de petites positions qui génèrent euh, beaucoup de commissions et euh, en général, par contre, le. Excusez-moi, le client euh, perd assez vite son capital. Donc, moi, je déconseille. Et c'est très, très difficile d'être rentable en scalping. Je sais que beaucoup de traders en font, le, en font le, le, la promotion. Moi, j'en fais, mais alors très, très peu. Et honnêtement, ce n'est pas les stratégies les plus faciles. Donc, euh, personnellement, je, voilà, je, je, je déconseille hein, ce genre de stratégie. Je suis assez d'accord, Jacques. Quand on ne quand sait pas le faire, en fait, c'est le broker hein, qui se gave hein, quand, on fait du, quand on fait du scalping. Alors, ben là, on a une position qui est assez intéressante. Hein. Vous voyez que pour un test, on est sur une cinquantaine d'euros, donc c'est pas mal. Alors, là, on est si ici si on est à 50, on a combien là la valeur Ah, on n'affiche pas la valeur. Mince. Euh, ah, j'avais pas anticipé ça. Bon, c'est pas grave. Euh, comment on va se débrouiller J'ai changé la version il y a pas longtemps. Et effectivement, là, il y a quelque chose qu'on ne peut plus faire. Bon, c'est pas grave, on va le faire à la main. Ouais, on est environ à 60, quoi. Non, plus que ça, 70. Sinon, on va le faire à 40. Je sais que c'est en 40 qu'on a les, les plus grosses valeurs en général. Là, vous voyez qu'on a un max de 62. Ce qui est intéressant aussi avec le stop-loss, avec le stop-suiveur, c'est qu'on a la valeur max que l'on a atteint. Allez, on va pas être gourmand. J'ai l'impression que ça se stabilise. Quelle heure il est 36. Allez, on va chercher un petit 60 euros en tech profit. Pour un signal qu'on a forcé, ça sera bien. Et puis si on ne les prend pas, eh bien, on prendra 32. C'est pas grave. De l'Ariane, toujours très proche du break-even. Le GBP USD, on commence à réduire la perte. Donc, pour l'instant, c'est une séance qui se passe à peu près bien. Tiens, on va faire notre tech profil. On va le faire. On va revenir. Ce qu'il faut se dire, c'est que 60. Hein, 60 euros, c'est euh, un gain de 1% sur la journée. C'est très très bon. Hein. Voilà, c'est parfait. Profit final 59.07. On a eu un petit peu de slippage, mais c'est parfait. Hein. Ça nous fait... Euh, voilà. 59,07 pour un signal qu'on a, qu a forcé au début parce que on, on voulait répliquer ici un mouvement qui avait lieu avant l'ouverture, c'est très intéressant. Alors, j'ai toujours tendance à dire il faut toujours qu'une stratégie pour qu'elle soit efficace, et eh bien il faut qu'elle ait un fondement, euh, comment dire, en, en termes de fonctionnement. Là, qu'est-ce qui se passe Pourquoi en fait euh, je me suis dit euh, ce mouvement il va se répliquer à l'ouverture on a un écart qui s'est créé sur les produits dérivés, sur les futurs. On a énormément d'investisseurs qui, euh, qui sont sur les indices cash. Donc, qu'est-ce qui se passe Ceux qui ne sont que sur le cash, ben en fait, ils n'ont pas profité de ce mouvement, de cet écart qui est lié justement à l'apparition de la stat. Donc, on a un écart qui amplifie, qui se réduit juste avant l'ouverture. Et à l'ouverture, on a un mouvement qui va se faire assez rapidement par le fait que. Les investisseurs euh, donc, qui agissent sur produits classiques vont vouloir aussi euh, prendre des positions qui vont reprovoquer ce mouvement. C'est tout simple. Hein. Et, euh, et ça fonctionne euh, allez, entre so 70 et 80% des cas. Donc là, ben voilà, on, vous voyez que c'est un trade qui a pris euh, quoi une dizaine de minutes, même pas. Combien on a fait 15h30 15h37. 7 minutes Trade de 7 minutes, on fait 1% du capital. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Et, euh, et euh, ben là, même maintenant, on va revenir à l'autre. Regardez. Ici, perte max 32. Ici, perte max 28. 28 plus 32, 60. On a financé la perte max de nos deux breakouts. Et voilà. Donc, ça sera une belle semaine, parce que là, je pense qu'il ne se passera. Plus rien du tout euh, sur cette séance, donc c'est aussi une raison pour laquelle j'ai coupé à 60 à 60 euros, parce que je savais que j'avais hein, une perte possible ici sur, ce, sur ces deux positions. Donc bah là, euh, dans le pire des cas, eh ben bah, je ferai zéro sur, euh, sur l'ensemble de mes positions. Je pense que ce qui va se passer, là on est parti sur euh, une position qui risque de faire comme a fait le, la deuxième position de Yen hier. Donc, je rappelle, fonctionnement, prise de position, pas de, pas de gain pendant plus de deux heures. Au bout de deux heures, si on n'a pas de gain, c'est-à-dire on repasse en positif, on a un stop dans le négatif, on ferme la position. Invalidation donc de la, de la stratégie et ça a très bien fonctionné. Voilà vous voyez des fois c'est plutôt plutôt que de couper son stop et puis de, de prendre sa perte tout de suite déjà un j'essaye de en, en, en partant sur une autre stratégie alors vous me dites hein, en prenant partant sur une autre stratégie je prends aussi un risque supplémentaire j'aurais pu me retrouver avec une perte tiens d'ailleurs on va se faire stopper sur le GBPUSD je pense voilà on est très très proche ici J'aurais pu augmenter ma perte aussi. Mais après, ça, c'est le principe du trading. Quand on fait du trading, on, on, on porte un risque. Hein. Donc, ce risque, il faut, le, faut être capable de, de, de l'assumer. Voilà, on s'est fait stopper sur le GBPUSD. Donc, GBPUSD perte. Euh, Breakout, donc 32,64. On s'est fait stopper au prix, je crois. Oui, exactement. Donc, pas de slippage, c'est bien. Euh, donc, maintenant, il nous reste juste le dollar yen. Puis on va attendre que ça se passe. Puis on va voir ce que ça donne. Au pire, si on... Là, au pire, je laisse, je laisse courir ma position. Là, je pense que j'ai deux possibilités. Parce qu'en plus, le stop, il va continuer à monter. C'est-à-dire, tout à l'heure, on était à 28, là, on est déjà à 27,79. Donc, mon stop va continuer à monter. Donc, au pire, si on, si on yoyote comme ça. Quand on yoyote, c'est quand on ne bouge plus. On hésite et puis on ne bouge plus. Si on yoyote, mon stop va monter. Au pire, je me ferai déclencher ici avec ma stratégie d'arbitrage. Ben, J'aurais fait un petit gain. Et puis si on yote comme ça, et puis au bout de 2-3 heures, pof, on revient en positif, la position va se couper. Ce qui veut dire que j'aurais fait 60 euros sur mon arbitrage, j'aurais perdu 32 sur mon stop GBPUSD, j'aurais fait 0 là, j'aurais fait un petit gain, 0,5% la journée, c'est une très belle journée. Et vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir 50 000 positions, avoir des stratégies en sachant comment on sait en sachant qu'on sait comment elles fonctionnent, et eh ben c'est suffisant. Et là... Euh bah, le trading live euh, voilà c'est euh, je veux dire c'est pas plus compliqué alors oui si c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de conceptions avant mais euh, faut pas des fois chercher euh, faut pas des fois chercher le midi à 14h quoi et donc là on est sur un sur un très joli gain hein, depuis le depuis le début du mois de février là euh, je crois que la semaine elle est euh, elle est assez fantastique hein faudra que je regarde, mais... Euh ouais. On est pas mal. On est pas mal, c'est une très bonne semaine. Et c'est un très bon début d'année. Là, je suis sur un au bout de un peu plus d'un mois, on est sur une performance qui pourrait être la performance annuelle. Donc on est bien. Pourquoi tu n'automatises pas à 100% la stratégie long short Parce que il y a encore des interventions qui... pour lesquelles je ne trouve pas euh, les paramètres. Par exemple, eh ben, tout simplement. On va prendre ce qu'on a fait aujourd'hui. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est. Eh, regardez un peu la sortie. Oh il oh. est eh, trop fort quand même, le gars. Regardez ma sortie ici par rapport à l'indicateur. Vous voyez je sais que c'est dans les 10 premières minutes. Là, l'indicateur, en fait, c'est lui qui me dit euh, la valeur du truc. Et vous voyez que le pointillé n'est pas monté beaucoup plus haut. Moins hein. 1052, là, on était à moins 1065. Ouais, donc on aurait, pu prendre, euh, euh, on aurait pu prendre 10 euros de plus, environ. Là, en fait, on est rentré là. D'ailleurs, tiens, 1131. Ah non, la valeur n'est pas bonne. Profit 59. Ok, bon, c'est pas grave. Donc, euh, ouais, ça se trouve, 7 euros de plus, euh, pas plus. Euh, là, on est revenu le, le, au moment où on a ouvert, et on, était, on était vraiment sur la courbe. On a pris là et tout de suite, on est redescendu. Et donc, comment euh, paramétrer le fait ici que on monte, ensuite on consolide et qu'à l'ouverture, on reprenne ici cette petite position Très difficile. Très difficile. Donc ça, par exemple, c'est euh, un paramétrage, euh, je vous l'ai expliqué, hein, le fonctionnement. Pourquoi j'ai fait cette position C'est justement pour le, le fait de euh, cette, cet arbitrage qu'on a vu alors que le, le, les indices n'étaient pas ouverts, qui était lié à une grosse stat, et qu'on s'est dit, bah quand le marché va ouvrir, eh bien, il y en a qui vont vouloir rattraper un petit peu le mouvement. Voilà, c'est juste ça, en fait. C'est-à-dire qu'on a anticipé le mouvement, c'est-à-dire qu'on a, mou a pris le mouvement. Avant qu'il commence à se mettre en route. Et on est sorti avant qu'il commence à descendre. Hein. C'est-à-dire que j'ai vu, j'ai été très, très vigilant. Et je sais que les mouvements rapides comme ça, ça doit se faire dans les dix premières minutes à l'ouverture. Et je sais qu'il fallait sortir avant 40. Et je suis sorti à. Euh, bah, il était 37, hein, je crois, de mémoire. Voilà. Et donc là, ce, ce genre de position à paramétrer. Le robot il existe déjà, hein. le robot long short il existe, mais euh, moi je ne l'utilise pas encore parce que ce type de mouvement bah, c'est pas évident quoi, à mettre en place. Donc voilà, donc là super satisfait parce qu'au niveau timing euh, là-dessus bah, on a été très bon. Hein Puis là il n'y a pas de triche, hein. on l'a fait en direct, euh, je vous ai expliqué pourquoi je le faisais. Et le timing, hein, quand je vous ai dit on a 10 minutes, là on le vérifie bien. Et puis bah, du coup on a financé les deux stops, euh, les deux pertes max de notre euh, de nos autres positions. Donc là c'est perfect. Hein. Voilà. Donc là je pense que la semaine est terminée. On a fait une très très belle semaine. Très très belle semaine. Rappelez-vous, hein, la séance d'hier. Quand j'ai ouvert la séance, je commençais en vous présentant trois pertes qui me représentaient, je crois, 2% du capital. Et bah, On a fait 7,5% derrière. Là pour l'instant, bon, on n'est pas 1, on est à 0,5, on va dire. Bah, c'est pas mal. Hein. Si on est à 8 dans la semaine, c'est cool quoi. Hello à tous, pour ma part, cette semaine, j'ai déjà réalisé l'objectif du mois. Alors moi, je suis, euh, honnêtement, je suis presque à l'objectif annuel. Hein. Il ne manque pas grand-chose, on va dire. Mais en moyenne, j'essaye de viser 15% par an, et euh, là, j'y suis presque. Alors qu'on est le 4 février. Quoi. Donc ça veut dire que je vais certainement en repaumer euh, <laughs> avant le milieu de l'année, euh, ou alors ça va être une année euh, fantastique comme a été 2016. 2016 qui reste de loin une de mes meilleures années. Hein. Et pourtant 2016, jusqu'au mois de mai, je crois. En plus, il y avait des trainings live à l'époque, mais il faudrait les regarder, les émissions. Je crois que jusqu'au mois de mai, j'étais perdant. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu un très mauvais début d'année. Et je crois que je suis repassé positif. Je ne me rappelle plus, même plus si c'était mai ou juin. Et qu'ensuite, ça, euh, ça a été fantastique. Quoi. Donc comme quoi, il hein, faut... Rien n'est jamais acquis. Ce que j'ai gagné là, je peux très bien le reperdre par la suite. Mais rien n'est jamais perdu non plus. Parce que quand on est perdant jusqu'à mai et puis qu'on qu rame un petit peu pour faire de la perf, on, a vite, on perd vite le moral. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va arrêter ce, ce trading live là. Moi, j'ai plus grand chose à vous montrer. En plus, il y a déjà eu trading live hier. Je ne cache pas que c'est un petit peu de, de, de fatigue pour moi, hein, tout ça, c'est euh, notamment nerveuse. Donc voilà, là on a fait une très belle semaine. À moins qu'il y ait des questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai tout de suite. Mais sinon, on terminera euh, de manière anticipée. À la limite, selon le résultat, je vous posterai. Euh, non, je vous posterai le, le résultat du trade de l'Arienne euh, sur le blog, hein, comme je l'ai fait hier, et puis sur les réseaux sociaux. Perte max 26. Bon. On est sûr de faire un petit, euh, un petit profit sur cette séance de trading live. Ce qui clôturera une très belle semaine. Des questions avant qu'on termine. Profitez-en, c'est gratuit. La baby -bjorn, on, on en reparle sur Facebook. Ou par messagerie. Ok, donc plus de questions, bah écoutez. Alors, donc je vous rappelle que cette session a été organisée euh, grâce euh, au, à l'intervention et donc au sponsoring euh, d'Active Trade hein, qui finance cette, euh, ce trading live, hein, ce qui explique que je n'ai rien à vous vendre <laughs> sur, euh, sur ces émissions. Euh, juste les conseils sont, sont là, ils sont, euh, ils sont donnés donc prenez-les. Si vous voulez tester euh, donc ces systèmes d'investissement sur un compte de démonstration eh bien vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez le faire donc en ouvrant un compte de démonstration chez mon courtier ActiveTrade, qui est donc un courtier euh, régulé, autorisé euh, par l'AMF, euh, régulé par l'FCR répondant aux obligations ESMA. Sachez tout de même qu'avec ActiveTrade, 69% des investisseurs particuliers perdent de l'argent. C'est un pourcentage qui est dans la très bonne moyenne des brokers qui proposent leurs services en France. Et euh, bah, ActiveTrade, euh, le gros intérêt, c'est la proposition justement des, des produits à contrat euh, futur qui permettent d'avoir des, des systèmes d'investissement euh, long terme sans swap, c'est-à-dire que vous n'avez pas de frais overnight. Vous pouvez garder une position, regardez la position que j'ai sur le SP500. Elle a été ouverte le 3 janvier 2022 à 15h50. Elle est en négatif parce que depuis on a perdu de l'argent, mais dans les commissions et échanges, là où on, a, on trouve les swaps, il y a marqué zéro. C'est-à-dire qu'aucun frais n'est généré sur cette position. Simplement... C'est une exposition trimestrielle, donc tous les trimestres. Donc là, là, au mois de mars, il va falloir que si, il va que je roule ma position, c'est-à-dire que je ferme cette position ici sur l'échéance mars et que je rouvre une position sur l'échéance juin. Donc ça, c'est un gros avantage. Voilà. Et puis, ben, pour tous ceux qui veulent continuer à, à apprendre, sachez que mon dernier livre, maîtriser la bourse, et eh bien euh, vous donne pas mal d'indications. Vous retrouvez d'ailleurs beaucoup de, beaucoup de choses sur ce que je vous dis, sur la construction stratégique. Le monnaie management, à la base, maîtriser la bourse, c'était un livre dédié au monnaie management, sur lequel j'ai rajouté des stratégies. Donc maîtriser la bourse, eh c'est un livre qui parle beaucoup de monnaie management, qui vous donne des idées de stratégie que vous pouvez ensuite faire évoluer selon, vos, selon vos, comment dire vos envies. Il n'y a pas de stratégie imposée. Je ne suis pas pour euh, imposer une stratégie, sachant que chacun a sa, a sa perception propre euh, du marché. Et donc vous pouvez trouver euh, soit donc des idées de stratégie pour débuter, ou pour ceux qui ont déjà une expérience sur le trading, eh bien, euh, des, stratégies, enfin des, des notions pour améliorer vos stratégies euh, existantes. Voilà, donc euh, pour, ce, pour ce trading live, bon, je vous remercie en tout cas pour votre présence. Je vous rappelle que vous pouvez euh, vous euh, abonner à la chaîne boursicoté.com euh, et souscrire les notifications. Ça vous permettra d'être prévenu de, des prochains événements et des prochaines analyses qui apparaîtront sur, ce, sur cette chaîne. Sinon, pour continuer la discussion, eh bien, je vous invite à euh, continuer donc sur euh, le chat du site boursicoté.com qui est gratuit hein, sans obligation d'inscription vous pouvez intervenir en tant que canonyme qu et continuer à discuter euh, de, ces, de tous ces sujets et puis éventuellement me poser des questions J'essaye de répondre euh, le plus rapidement possible voilà merci à toutes et à tous donc pour votre participation pour votre bienveillance toujours agréable d'animer des, des, des trading live dans cette, dans cette ambiance on se donne rendez-vous euh, certainement la semaine prochaine pour un prochain trading live, toujours sur la chaîne boursicoté.com. Merci à tous, et à très bientôt sur cette chaîne.